Bien le bonjour ami Slash, à l'occasion du dernier stream, j'ai pu vous faire découvrir le MMO Hack and Slash Big Time et je me suis dit que si vous l'aviez loupé et que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, je vous propose ce let's play de notre premier donjon en coop. Si vous avez envie de jouer au jeu, j'avais prévu des codes pour que tout le monde puisse en profiter, donc comme ça je vous remets la liste des codes juste en dessous dans la description, il y en a encore quelques-uns, mais pensez à ne pas trop tarder si vous voulez pouvoir avoir accès au jeu. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire et je vous laisse profiter de ce let's play. Par contre, Narco, là, du coup, faut qu'on montre le skill, hein, parce que si on perd, on va passer pour des noobs encore. Est-ce qu'il y a du... J'ai pas l'impression qu'il y ait du ping là dans cette instance. Il est défoncé, il a allumé tout le budget. On n'a plus un PO. Question, c'est est-ce qu'il fait des bons... Est-ce qu'il fait des bons combos, le narco? Et s'il y a une autre personne qui veut grouper, viens les petits potes. Avec plaisir. Et si vous n'avez pas accès au jeu encore, eh ben il nous reste des codes. Tu gênes pas, tu la poses, tu dis bonjour. Enfin, ouais, j'avoue. Non, mais ces Zangetsu là, il voit une pauvre personne dans le besoin, il dit surtout tu donnes pas d'argent quoi. Tu mets. C'est quoi ça? Tout ça parce qu'il a l'immunité des bannes? Eh bah ben, d'accord. Drone insecte faible. Je vise vraiment comme une quiche. Est-ce qu'il y a du loot là-dedans? Pensez qu'on peut loot? J'ai cru qu'il allait aller suicider Narco. Honnêtement, j'aurais parié sur sa mort. Hein. Bon. Ils me font... C'est trop drôle cette animation où ils se font vraiment des coups de croche-patte dans les jambes. Ouais, c'est sympa. Le jeu est bien cool. Les animations sont sympas. Le loot est sympa. À plusieurs, c'est mieux. En solo, ça se fait très bien, mais il y a un boss. Il y a évidemment pas mal de trucs, tu vois, à te renseigner. Mais si t'as envie de tenter, Myst, hésite pas, le bon Zangetsu va te passer un code. Et t'as le principe économique est assez sympa. Où justement, tout est libre et de vente entre les joueurs. Ah si, je me disais, attends, il se l'est mangé dans les dents, celle-là, quand même. Pour l'instant, c'est bien optimisé aussi. Mon PC n'a pas fait la tronche. J'ai fait aucun réglage sur les jeux. Je suis toujours obligé de... Genre, sur Diablo 4 et Last Epoch, hein, je suis toujours obligé de faire des réglages. Parce que ça... Les réglages de base... patauge dans la school. Donc là, j'ai pas eu besoin. Faible énergie. Ha. Non, il est mort comme une merde. Il est mort. Qu'est-ce que t'as fait? Mais comment je fais? Moi, je suis tout seul, du coup. Bon, je vais aller le soigner. C'est quoi, cette histoire? On va kite. Je t'avais dit, il fallait montrer du beau jeu. Parce que là, on passe pour des idiots. Premier vrai donjon en dehors du tuto. Et je dois pouvoir te résumer. Hein. Il est où? Ok. Où est-ce qu'il est? Ah, il est revenu au début. Comptez pas sur ma résu. J'ai tenté d'installer, mais ça reste sur finalizing depuis bien 20 minutes. Ah. C'est bizarre. Salut Freddy, tu vas bien? Excusez-moi, j'étais concentré sur ce combat de titan. Parce que bon... Mon allié m'a abandonné. Faut le savoir, hein. Ouh, il y a un petit bonhomme. Oh, si je meurs, même combat, hein. Vous avez le droit de me trash talk, il n'y a pas de problème. Hein. C'est le premier qui meurt, il se fait insulter. Enfin, le premier, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est logique. Hein, Ça fait partie du deal. Mais si vous voulez venir jouer, n'hésitez pas. Et si vous mourrez dans l'équipe, eh ben, on se foutra tous de votre tronche. Mais c'est aussi valable pour moi, donc même combat pour tout le monde. Montre-nous pourquoi c'est toi le chef de clan.
C'est qui le patron? Est-ce que... Oh, je l'ai mise à côté. Ah, celle-là, il se l'est mangé dans les dents, par contre. C'est pas mal, le petit principe en hauteur. C'est assez sympa. J'ai une bête. Je sais pas comment ça se passe, le loot à plusieurs. Oula. T'as regardé sur TMP Twitch, du coup, et si Freddy aussi, pareil, ça te tente, les amis. N'hésitez point. Je crois que c'est par là qu'il faut aller, Narco. On a loupé l'objectif, attends. C'est par là. Récolter des ressources. Y'a quoi comme ressources? Narco, reviens, reviens. Il est parti se battre. Il est en mode, mais je m'en fous, je vais les fumer, je vais venger mon honneur. Je sais pas non plus ce que ça fait de mourir en donjon. Je crois que tu perds de l'or. Pas sûr. Tout à l'heure, ça me mettait que j'avais pas perdu d'or parce que j'étais sur le tuto. Dans le doute, je vais pas vérifier. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Ah, de l'or. Il y a grave des trucs dedans. Petite potion de soin. J'ai plus de mana. J'ai plus de mana. C'est un piège. Narco, Narco, viens m'aider. Oh là là, cette petite zone. Ah, j'ai plus d'énergie. Je peux pas canaliser mon énergie. Oui, super Narco qui arrive. Oh, et en plus, il est arrivé en mode saut et tout pour aller dans le combat. C'était de toute beauté. Si tu peux me protéger pendant que je prends mon énergie. Aïe, aïe, aïe. J'ai fail mon sort, du coup. Il n'a pas pris l'aggro. Le tank n'a pas pris l'aggro. Au secours. Et du coup, ah, j'ai 100... Bon, j'aurais pas dû le faire. C'était... Je trash talk, mais... C'est moi qui ai mal joué, hein. Mais... 120 de temps de recharge pour ma compétence que j'ai loupé. C'était pas du beau jeu, hein. Pendant ces combats, je peux pas trop regarder le chat, les potes, mais dès qu'on a poutré le boss, oh, on a défoncé la tronche. Allez, ça dégage. Ok, font moi les malins. J'ai quoi? Ok. Comment on invite un ami? Il faut que tu aies fini le... Faut que tu sois dans la ville. Donc quand t'as fini la... Quand t'as fini la ville, et après, alors, le menu groupe ne sera pas disponible, vous pouvez seulement quitter votre groupe. Ok, non. Pour ajouter un ami, je sais pas. T'en viens, on le canarde de là-haut. Oh, c'est passé à côté. Ah, la gestion de la distance qui est sympa. Ça fait plaisir de pouvoir taper un monstre qui est en l'air ou qui est en contrebas. Pour ajouter un ami, j'en sais rien. Mais le tuto se fait tout seul. Et une fois que t'as fini le tuto, donc c'est le dernier donjon avec les... je sais pas si tu te rappelles, avec les trucs qui disparaissent, qui apparaissent là. Et bah, une fois que t'as fait ça... Oh, c'est naze. C'est de la merde, ce loot. Je vous laisse, c'est l'heure pour moi d'aller faire mes courses. Salut, Antine. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu pars en course. Ou alors, c'est un... C'est une phrase pour... déclencher un code secret. C'est faire les courses, c'est ça. Mais merci d'être passé, Andine. Et puis bon courage pour les courses. Passe une bonne après-midi. Et puis très bon jeu à toi. Je suis à la ville, on est à côté. Ah, ok. T'appuies sur P et tu vas dans la recherche. Dans la recherche, tu mets le nom du joueur qui est à côté de toi. J'ai pas l'impression qu'on puisse s'ajouter en ennemi. Je crois que ça sert pas à grand chose qu'on bute les tourelles, mon bon Narco. On peut aller se barrer, je sais pas trop où. Rassembler à la zone du boss. Ah, faut aller là-bas. Aller là-bas. Donc, je peux pas te montrer parce que tu vois, quand j'appuie sur P, j'ai pas de menu. Mais tu voulais pas venir avec nous? Sinon, ça peut être sympa. Il fait non, pas envie de jouer avec toi. T'arrêtes pas de te foutre de la gueule des autres. J'ai pas envie de jouer. On s'est pris un petit cul-de-sac, je crois. Ok. Et voilà, s'il y a des personnes qui ont pas le code. C'est bon, Mist, ou pas, du coup, pour le code? Il y a un soin, là. À prendre le soin. J'ai surtout plus de mana, moi. Ça donne du mana ou pas, ce truc-là? Ça donne du mana. Prends mon café là-dedans. Ça met environ 3 ans et demi à revenir le mana.
Heureusement que j'ai le sort de mana qu'il faut que j'arrive à canaliser. Pas facile, facile à jouer cette compétence, mais pas mal. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bon endroit. Si tu, en fait, tu, ouais, si j'allais dire, tu peux te voir. Ah, il y a des coffres. Attends, on a loupé des coffres. On a loupé grave des coffres. Je sais pas si toi tu les as pris. Moi, je les ai pas pris en tout cas. Il y a un coffre là. Tu peux te voir même si t'es pas encore en mode monde ouvert. J'essaie de... Attends, ça veut rien dire ce que je dis, mais si tu peux voir ton pote, même si t'es toujours dans le tuto. Par contre, tu ne peux pas le grouper. Et t'as la ville, la première ville justement où il y a un peu de monde, c'est pas la bonne. Et du coup, faut encore que tu termines le tuto. Et dès que tu vois la zone de saut, plus le donjon après la zone de saut, et bah c'est bon. Oh, je peux pas ouvrir des ennemis. Ah, oh, il s'est barré, il m'a laissé tout seul. Il m'a laissé tout seul. Sympa, 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 sympa. En plus, c'est marqué en gros ennemi proche, ennemi proche. Je lui disais, mais je m'en fous d'ennemi proche, je m'en doute. Ça me sert à rien, ennemi proche. Et le jeu me l'indiquait gentiment. J'ai récupéré un truc, c'est mieux ou pas, niveau 4. 8 de santé, je récupère un peu de santé, je perds de l'énergie. Ouais, non, pas très intéressant. C'est pas une sorcière full mana. Allez, la sphère foudriante. J'espère vite finir le chuteau pour jouer avec toi. Bon, après, moi j'ai pas mal traîné hein, pour le tuto, hein, donc t'as moyen de le faire plus rapidement. Salut Eddy. Du coup, je veux bien que tu l'envoies dans Gutsu si ça ne te dérange point, l'ami. Est-ce que t'as pas un debuff de spell distance quand t'as des ennemis proches? Ça pourrait expliquer pourquoi il te l'indique. C'était juste le coffre en fait que je pouvais pas ouvrir. C'était encore plus simple que ça. C'est juste qu'en fait, comme il y avait un coffre par terre, il me disait ennemi proche et que du coup j'étais en train de spam la touche pour l'ouvrir. Mais comme j'avais un ennemi à côté de moi, je ne pouvais pas le faire. Du coup, voilà. C'était. C'est ça, vous êtes toujours en combat. Sanctuaire de résurrection. C'est pour Narco. Excusez-moi. Ah, rassemblement. Voilà. Petite boule de feu dans les dents. Ils sont repartis. Bon. Vaincre la horde de boss. Ok. Je lui disais, c'est bizarre. Tranquille. Mais... Il y a un petit creep qui est passé bizarre. Je sais pas trop ce que c'était. On est en train de perdre Narco. Narco, esquive. Je crois que... Il a pris un petit peu trop. Moi je suis tank. Je m'en fous. J'ai pas envie de reculer. Ah, c'est lui qui tire depuis tout à l'heure. Bon. Il y a le concept de tank qui est un petit peu particulier. Je recule pas, je meurs. Ou c'est tout, je me combats. Y a pas de demi-mesure, je veux pas le savoir. Aïe 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 aïe. Oh la verre, là. Tu es le dernier debout. Ouais, j'ai remarqué, ouais, merci le jeu, j'ai remarqué. Et si je le résume, ça marche ou pas? Membre du groupe ressuscité. Mais ça l'a il avait déjà respawn là-bas, je crois. Aïe aïe aïe, salut Semtex. Je crois que je l'ai fait trop tard l'objet. C'est un petit peu unlucky, on va dire. Bon, il avait pas qu'à rester à faire le tank aussi. Bon, mais d'accord, mais. Pas crevé lui. Ok. Oh, j'ai vraiment pas esquivé cette attaque. Mais lâche-moi les crops. Vague 2. J'en ai un qui est là-bas. Voilà, c'est ça que je voulais lui mettre tout à l'heure dans les dents. Ça l'a bien calmé. Salut Svelm. Je vous check après les messages, les poteaux. Histoire qu'on loupe pas ce donjon quand même. Il est toujours en train de se barrer ce creep. Voilà. Hop, petite esquive. Bim. Oh, esquivé. Bim. Voilà. Bon, il y en a un autre là-bas.
Ah, petit filou. Il y en a combien de ces bonhommes-là? Vague 3 sur 4. Ah, j'ai plus de mana en plus. Je vais faire ma canalisation. Allez, on canalise. Discrètement, faut pas qu'il me le voie. Chut, chut, je suis pas là. Chut, chut. C'est bon, il m'a pas vu. Faites plus de bruit. On passe en mode ASMR. Attention. Ah, je savais bien que ça allait annuler ma canalisation. Bon, j'ai repris un peu d'énergie. Mais il a fini par me trouver. On a fait trop de bruit, je sais pas qui c'est qui a mangé des chips là dans le stream. Franchement, c'est pas sympa. Il m'a dit de pas faire de bruit. Ok. Par contre, faut qu'ils viennent pour récupérer le loot. Fallait qu'ils viennent pour le loot, quoi. T'es sérieux, le jeu? Il a rien fait. Et il a le loot. C'était quoi, cette histoire? Moi, je dis, il y a une légère arnaque dans le système du jeu. Il a pris toute l'aggro. Il meurt. Et après, oh, ça y est, c'est fini, je reviens. Aïe, aïe, aïe. Bon, au moins, c'était marrant. Vas-y, viens, on finit le donjon, là. Va se saouler. C'était drôle. Bon, on n'était pas très, très optimisé. En plus, il a eu le loot. Et puis, ouais, si vous avez des soucis pour installer le code et tout ça, vous me dites, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, plus de dégâts. Non, mais ça, c'est des conneries, c'est pas possible. Moi, je demande un replay. Comment t'as fait plus de dégâts en étant tout le temps pas là? Et j'ai fait 6500. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi, cette histoire? Eh, le jeu. Je les ai tous tués. Je les ai KS, en fait. Et ça, c'est bien. Un jeu avec des stats à la fin. Oui. Bon, même si je suis un petit peu sceptique sur les stats. On a les drops aussi, c'est cool. Parce que bon, je me suis moqué de Narco depuis tout à l'heure, mais il a quand même fait plus de dégâts que moi en étant mort. Bon, c'est un petit peu bizarre. C'est ce temps de canalisation qui a tué le DPS. C'est ça.